Allez, bienvenue à tous. Semaine 3 de confinement, troisième semaine de sport, d'accord? Donc on reprend le lundi avec notre séance traditionnelle du haut du corps. Il y aura quelques modifications aujourd'hui, des petites évolutions, des petites variantes. Ok, Nadège est avec moi pour m'accompagner. Salut Nadège. Ok, on a passé un bon week-end? Ça oui, s'est bien passé? C'était assez calme. Super. Bah, pareil pour moi. Vous avez Ok. vu? J'ai... Vous avez le polo Celtico, Oui, super. c'est notre slogan. C'est le logo, transpire aujourd'hui, souris demain. Bon, aujourd'hui, c'est une séance où on transpire un peu moins, le mardi, on transpire plus, mais Il est chaud donc. il faut de tout pour faire une belle semaine. Ok, on met de la musique, on commence un petit échauffement. Il va falloir détendre tout ça après un week-end, 2 jours de repos. Allez, on y va ici. De ce côté-là, c'est pour ça. On échauffe d'abord le cou, allez, on va de droite à gauche, tranquillement. On a besoin de se remettre dedans après 2 jours de repos. Ok, maintenant on va en avant et en arrière avec le cou. Parfait, on fait un petit tour, un petit cercle tranquillement. Changer de sens. Quelle concentration ce matin, Nadège. Très du bien, hein. On relâche. On lève un peu les épaules, on est comme ça, on les lève. Et on va vers l'arrière. On décompose bien. Lève. Allez, encore, on lève. On lève. Une dernière fois. Ok, cette fois on lève et on va vers l'avant. Allez, on détend bien tout ça. On enlève les nœuds s'il y en a. Encore. Encore. Ok, on écarte les bras. Ok, et des tout petits mouvements. Des petits. On fait comme la dèse, on danse. Hop, on met les mains ici. Et on remonte, tout simplement. Ici. Encore. Ok, on revient ici, on stoppe. Et cette fois, on va vers le haut. Là, on revient. On va passer les mains. Là, Nadège. On stabilise au milieu. Et cette fois, on va faire un. Ici. En haut. Milieu. Bas. Milieu. En haut. Parfait, on relâche, on reste ici, on écarte un petit peu les jambes et là on descend. Un petit peu plus écarté, Nadège, tes jambes. Le but c'est de travailler, d'échauffer un petit peu les obliques. Là, comme ça. Voilà. J'ai pas changé les bases. Encore un petit peu. Attention, regarde ta tête. Regarde la tête. Donc toi, tu fais ça. Ouais. Et si tu regardes droit, c'est mieux. Là, droit. Hop. Et c'est là que ça. On est chaud. Et la tête droite. Ok. Encore un petit peu. Ok, on relâche. Les mains ici. Hop. Et on remonte. Juste droit là. On échauffe le dos droit, toujours le dos droit. Dos droit, on remonte. On garde le dos droit, on ne supplie pas. Voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, ah, allez, on finit l'échauffement comme ça, on met la main ici. Une fois en dessous, une fois au-dessus. Au-dessus, en dessous. Le but, c'est que
faire souvent un petit peu, à peu près, entre 5 et 6 minutes de déverrouillage, d'échauffement musculaire, pour éviter les petites blessures du début de séance. Allez un peu plus vite. Ok, bon voilà, je pars, parfait. Alors, vous allez voir, cette semaine on va modifier un petit peu la séance. On va commencer par des dips. Qu'est-ce que des dips, Nadège? Des chips? Ah non, c'est pas pareil. Des dips. On travaille les triceps, d'accord? Donc vous avez vu, on a un petit canapé, on va tourner le téléphone. Ok, on a un petit canapé, vous avez tous un canapé chez vous. Nadège, petit, tu baisses un petit peu? Oui, je voulais baisser un peu. Donc voilà. On va orienter le téléphone sur le canapé. Ah, pardon. Et du coup, attention, le but, tadam, voilà, vous mettez bien vos mains en arrière, donc comme ceci, un pas, hop, bien ici, vous avez, hop, on met les jambes devant, pour ceux qui sont option haute, vous pouvez allonger complètement, ok, sinon, hop, semi-allongé là, et on va en faire 20 comme ça, allez, Nadège, ah, on commence, ah, ouais, j'ai pas compris, je te laisse la place, je me mets où moi, là, c'est bien, ils vont bien te voir, comme ça. Ok, on va faire 20, donc Nadège, voilà, c'est ça. Ouais. Comme ça, voilà, et moi j'allonge, on y va pour 20, c'est parti. Je suis comme ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Remontez, soufflez quand vous remontez. 6, 7, 8, t'es musclé, dis donc, 9, 10, je te viens. Grâce. 11, 12, tu peut-être pas obligé d'écarter autant. 13, dis-moi. 14, 15, ça commence à tirer, hein. 16, vous poussez le canapé ou c'est moi? 17, je sais pas. 18, 19, et 20. Ouh, ça chauffe. Ça chauffe les épaules, ouais. Et les triceps, où sont les triceps? Les triceps, ok. Ah oui, là, on l'a dit hier. Alors, on va se faire vraiment des pompes, mais différentes. On remet le téléphone. Merci Nadège. Que moi je suis multitâche, truc de fou. Donc là je vais les faire en même temps, je vais le faire comme vous, d'accord. Je vais le faire semi-allongé parce que je sais qu'il y en a beaucoup devant leur écran qui galèrent pour les pompes, donc je vais... Faut bien expliquer, oui. Je vais faire comme vous. Alors on va se mettre, donc ici, sur les genoux, là comme ceci, d'accord. Vous avez vu ma position de base. Hop, et là vous allez voir, on va faire 3 pompes, 3 secondes là-haut, et on va faire ça 4 fois. 3 pompes, 3 secondes là-haut, sauf que les pompes... Comme ça, vas-y. Je vais laisser la place. Les pompes vont être différentes. Au départ, on part bien les bras écartés. Ok. Semi-allongé, comme ceci. Vas-y, en place, Nadège. On va te faire mal aux genoux, là, par contre. Voilà, un semi-allongé. Et on y va sur 3 pompes, c'est parti. Allez. 1, on descend bien, on remonte. 2, 3, on reste là-haut. Pendant qu'on est là-haut, regardez, Nadège, on regarde en même temps, on met une main plus haute, une main plus basse. Ok, et là, on redescend les 3 pompes, allez. 1, c'est pas possible. 2, on n'a que 3. 3, on reste là-haut. Pendant ce temps-là, on change de main. Hop, l'inverse. Voilà, et on fait les 3. 1, 2, parfait. 3, on reste là-haut. Pendant ce temps-là, on serre les deux mains. Comme si que les pouces allaient se toucher. Encore, voilà. Et on enchaîne. Et donc, on serre bien les deux mains. Comme ceci. Voilà. Et les 3 dernières pompes, c'est parti. 1. 2. Et 3. Parfait, on relâche. Donc, vous avez vu, on a fait 4 fois 3 pompes. 3, 6, 9, 12 pompes. En semi-allongé. Une fois, on avait les mains écartées. Une fois, comme ceci, je me mets comme ça pour vous faire voir. Écarté. Comme ça, et serré. Ok. Allez, deuxième série de dips. Et après, la deuxième série de pompes. Allez. Tu peux le faire déjà, déjà. Allez, ça serait bien de ne pas bouger le canapé. Ok, je me mets. J'ai oublié, la vache. C'est pas ta faute, ça. Ah bah non. Voilà. Voilà. Allez, je vais me mettre comme vous en semi-allongé. Il a mal, ça veut dire qu'il a mal. C'est pour parce que sinon vous allez avoir tendance à faire comme moi et si on ne finit pas, faire comme moi. Voilà, faites comme Nadège. Allez, ici c'est bien, c'est un bon compromis, on est parti. Serrez un peu plus les mains à l'intérieur, Nadège, encore. Voilà, on y va, 20, c'est parti. 1,
2, le but c'est bien cibler les triceps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va, 9, 10, moi ça tire en arrière. Moi aussi, mais. 11, costaud. 12, 13, moi ça roule hein. 14, 15, 16, 17, 18, 19, ah, c'est toi qui pousse. C'est lui. Alors, on refait les pompes, j'ai chaud. Donc, on fait comme tout à l'heure, 3, 3, 3. Changement. Donc, moi, je l'ai fait normal avec les jambes allongées. Je vous mets comme ça face à vous et vous, vous faites semi-allongé, toujours comme tout à l'heure. Allez, les mains écartées. Je t'attends, Nadège, t'inquiète. Donc, 3. Mais où? Où tu veux. Mais tout à l'heure. On oui. Commence bien les mains écartées. Que ça soit très simple. Donc tu te rappelles bien les semi-allongés, hein, comment c'était tout à l'heure. Mettez, vas-y, voilà. Allez, on y va sur les trois pompes, c'est parti. 1, 2, 3, et on reste 3 secondes en haut. On met les mains une en haut, une en bas. Et c'est parti, 3. 1, 2, 3, on reste là-haut. On met une en haut, on change de voilà. 3. 1, 2, 3, allez, et on serre les deux mains, les deux mains, et on y va les trois pompes, c'est parti, 1, 2, et 3, super, c'est bien la tête, donc c'est simple, normal on serre, plus tu serres, plus ça tire, tout va avec, là, et là, et on est simple. Ok, maintenant on va partir aux abdos, pareil, on va changer un petit peu. Allez, je me mets comme ça, vous voyez bien, vas-y, mais non, t'inquiète, on a de la place. Donc là, le but, on lève les jambes, les pouces, vous mettez les mains sous les fesses, hein, on pousse la tête, vas-y, je suis posé sur le ok, on met bien les pouces sous les fesses, et là, le but, on fait des tout petits à-coups, 20 fois, alors attends, on attend. Là, ce que je veux, aujourd'hui, on décolle pas, pas comme ça, juste des tout petits. D'accord, t'as vu la neige? Ouais, quand même. Juste des tout petits comme ça, sans décoller. Comme ça. Ok. D'accord. On y va 20 fois? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, parfait, on relâche. On met les jambes au sol. Ok, on pose. Comme ça, les jambes au sol, les mains derrière la tête. Et là, on enchaîne les 1 et on change de côté à chaque fois. On repose la jambe. On va également. Allez, c'est parti. 1, reposer, on change. Reposer. Ouais. 2, 3. 4, 5, 6, voilà, et on change de côté. 7, 8, 9, bien. 10, tranquille, hein, on ne se torture pas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 et 20. Super. On relâche. Et il nous reste celui qu'on faisait les autres semaines. Donc, on a bien les jambes à 90 degrés. Là, on n'a pas de poids aujourd'hui. Les mains comme ceci. On allonge les deux mains. Une jambe. On revient se placer. On change. La tête bien au sol. D'accord. On en fait 20. Sauf qu'aujourd'hui, au bout de 20, je laisse la tête pour vous montrer. Au bout de 20, on va faire comme ceci pour finir, 20 en faisant une jambe et les deux bras, et 20 en faisant toujours les bras et les deux jambes qui vont vers le sol avec les talons qui touchent le sol et qui remontent. Ok, donc d'abord on part sur le premier. 1 comme ça, 20 comme ça, tac, tac. Voilà. Et après, 20. Voilà, on met les jambes, ok, on est parti. Comme ça, il faut faire la cuillère. Non, il faut que tu, ici. Il faut pousser. Tu
tu poses mais tu laisses ta tête au sol. Hein. Ouais. Ok, on est pas. Pour l'instant, on part sur le premier. C'est parti, on enlève. On étend une jambe et les bras. Allez. 1. On revient se placer. L'opposé ou le 2. Tu prends le fou là. Parce que t'as vu. 3. T'as deux bras. 4. 5. 6. Allez, on en fait 20. 7. 8. 9, ça va tirer un petit peu plus ses abdos aujourd'hui, encore plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, on laisse bien le bas du dos au sol. 19, 20, on met les deux ici. Ok, donc là, regardez, on va aller mettre le talon vers le sol, les jambes pliées et les bras en arrière. 1, on vient se passer. 2, 3, bien plier les jambes. 4, 5, ça s'appelle le crunch inversé. 6, j'avance. 7, 8, cale bien ton dos au sol. 9, 10. 11, encore. 12, on commence à bien les sentir. 13, vous allez, ça va. 14, on souffle. Hein. 15, 16, 17, 18, 19, je ne dois pas bouger l'ordre. Et 20, parfait. On se retourne. On se rappelle, la semaine dernière, on avait fait 20 mountain climbers. Donc, mountain climbers, je le rappelle, bien les mains sous les épaules, ici. Et 1, 2, passe, ok, passe. Donc là, on va en faire 20. Et au lieu de rester 20 secondes en statique, on va faire 20 mountain climbers, 10 secondes en statique, et après, 10 mountain climbers de côté. D'accord. 20, 10 et côté. 10. Droite, gauche, droite, gauche. 20, okay. 10, 10. On est parti pour les 20 dans l'axe. Okay. Les mains bien sous les épaules, je le répète. Hein? Tous les segments alignés, poignets, coudes, épaules. Attends, allez, c'est parti, on y va pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on croise 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Ok. Et là, on bascule au gainage. Coude axe, côté, côté, le dos. On est parti par 40 secondes, la semaine dernière 45. Aujourd'hui, 50. Allez. Alors, côté. D'abord dans l'axe. Hein. 50, côté, côté, le dos. Pourquoi tu dis dans l'axe hein? Bah, les coudes dans l'axe. Ah, d'abord. Bah oui. Comme ça, quoi. Gainage. Comme une ça. Planche, ouais, ouais. Ah, ouais. 50 secondes. Et on pose pas entre eux. Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez. Tout est dans la tête. Allez. Une bonne planche. Bon là, je pense. Voilà. 18 secondes. Je suis pas bien. Pensez bien à rentrer son nombril. Arrête. Contracté. Lâche. On est à 30 secondes. Allez, plus que 20. J'ai pas les bonnes baskets. 35. Bon, après, t'as la récup là. Hein. C'est pas ça. 40. 44. 45. 46. 47. 8. 9. Et on relâche. On se positionne de côté. Lâche. Dans 5 secondes, on repart. Hein. Allez, on lève bien 50 secondes sur un côté, ça va piquer, c'est parti.
Mets la main en l'air si tu veux. Il faut tenir 50 secondes. Tire plus. Donc on a toujours un côté plus facile. Hein. C'est la moitié. Alors vous allez voir, 50 sur les côtés, on sent. 43, 44, 45, 48, 49 et 50. On change de côté, je me mets toujours face à vous, donc hop, je fais un petit demi-tour. On est parti dans 3, 2, 1, on lève. Pareil, les pieds, la hanche et le bras doivent bien être alignés. On a dépassé les 30 secondes, on est à 35. Allez, on s'accroche. À la fin du confinement, on doit être à une minute. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, on pause. Et il nous reste le dos. D'accord? Donc bien mettre les fronts sur les mains et on lève bien les coudes. On y va dans 3, 2, 1, on met le front sur les mains. C'est parti, on lève bien le coude et le bas des jambes. Et on reste levé. Tel un cobra. Anaconda, toi, la légende. Un boa. Oiseau des îles. Oiseau des îles, ok. C'est quoi? On est à 30. Au soleil, en train de voler au-dessus de la mer et de la plage. Alors, on est à 40. 2, 1, on lâche. Superbe. On a fait un tour complet. On relâche bien et on aura un deuxième tour. On boit un petit coup. Ça c'est au body fit là, les séances. Ah ouais, je confonds tout là. Rythmo. On boit un petit coup. Et on va reprendre le travail de dips et de pompe. Ah ouais. Ouais, un tour de tout, là ça va brûler. Hein. Allez, on a bu, on a récupéré. On s'oriente vers son canapé. Allez, c'est parti. On est parti pour les dips. Si tu veux, tu te mets devant. Peu importe. Voilà, on peut changer, Nadé, si tu veux. Tu te mettras devant pour comme ça. C'est très bien de pas bouger le canapé, sinon. Ok, je vais essayer de me concentrer. D'accord. Ok, on est parti. Donc, voilà, les bras un petit peu. Voilà, un peu serrés. Et on est parti pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est à partir de 15. Normalement, tu bouges 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bouge pas. 17, 18, 19 et 20. Ouais, tu vois. Allez, on enchaîne les pompes. 3, 3, 3, 3, 3. On va être des balades. Ah. Petite rotation. Heureusement qu'il a son assistante. Vous avez vu.
Elle est trop forte, c'est... Je sais tout faire. Réalisatrice. Vas-y, on y va à la pompe. Donc pareil, hein, semi-allongé, on ne perd pas la position. On doit lever cette partie-là et le buste. Tu te rappelles, mèche, ça y est, elle a tout perdu. Attendez, parce que je... Tu veux aller par là? Je vais essayer, voilà. D'accord, vas-y, pousse. Ok. Donc trois pompes écartées, inclinées, inclinées, serrées. D'accord? Semi-allongé, la neige, la position. Avance un peu les fesses. Là, par là, par là, voilà. Ouais, c'est ça. Allez, écarté, c'est parti, trois pompes. On y va. 1, 2, 3, incliné. Incliné, d'allège, voilà, trois pompes. 1, 2, 3, l'autre côté. Ouais, foutu, ça. L'autre côté. Quand on allège, c'est bon, on y va. 1, 2, 3, c'est fait exprès. Serré, les mains bien serrées, les trois pompes, c'est le plus dur. Allez, 1, 2, et 3, parfait. Ça va? Tu fais exprès de travers, ouais, ça fait bizarre. Ça tire plus à côté. Ouais. Et après, ça tire plus à côté. Désorganise, ça monte. Allez, on y va sur le canapé. Ça doit pas être trop difficile, là c'est bon. On est multitâche, c'est petit coup. Allez, 20. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on est au quart. 6, 7, 8, 9, 10, à moitié. 11, 12, 13, 14, toujours le deuxième tour, moi ça me brûle, hein. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Wouh! Je suis meilleur quand même. Ah, on voit en bas du corps. En bas du corps. Ah, on enchaîne les pompes, il reste les pompes. Hein. Ça, c'est mes 10 ans de basket. Bien écarter les trois pompes au départ, tu peux vraiment bien écarter. Hein. Voilà, avance un peu tes. Voilà! Oh, elle est déjà partie. 1, non, ok. Non, 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 moi je m'entraînais pour assister. Allez, c'est parti! 1, 2, 3, inclinaison. 3, 1, un peu plus incliné là déjà. 2, 3, creuse pas le dos. Change. Faut pas que tu creuses le dos. On y va. 3, 1, 2, creuse pas le dos. 2, 3, et on serre les bras. 3, oh putain, j'en peux plus là. 1, 2, et 3. Attention de pas creuser le dos. Ouais, donc mais... allège, t'es comme ça. Ouais, mais c'est comme ça. On est là. Et si en fait, bah, je faisais ça. Ça, du coup ça va faire mal au dos. Alors que là, si on ne peut plus, on puisse reculer. Voilà, on descend le buste. Faut bien descendre le buste, pas faire. Okay. Ok. Allez, on enchaîne les abdos. Donc le premier, jambes tendues, fois 20, après les obliques, fois 20. On enchaîne avec nos extensions. Allez, les mains sous les fesses. Moi, vous avez vu, je mets les mains et je mets un peu plus les pouces sous les deux fesses. Allez, on y va 20 fois. 1, 2, 3. Et là, on décolle pas le dos. 4, 5, 6, 7. Des toutes petites contractions. 8, 9, 10, 11, 12. Hop, on freine rapidement. 13, hop, une fois, on part. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, on relâche. On met les pieds au sol, main derrière la tête.
Ok. Et on enchaîne les bras. Obliques, c'est parti. 1, 2, 3 et on repose bien. Garde. 5, évidemment le coude opposé au genou. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, encore, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Du coup, on laisse la tête bien posée au sol, les jambes à 90 degrés, main au milieu, attends la neige, main au milieu. On étend une jambe, on étend les deux bras, c'est parti. 1, oh merde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On remet les jambes pliées, les bras au milieu des deux genoux et crunch inversé les mains. 1, on garde les jambes pliées, on remet. 2, 3, 4, bien calé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiens, déjà 11, 12, 13, 14, j'étais obligé de remettre la caméra, 40, 16, 17, j'ai marqué batterie faible, 18, 19, 20, je récupère les 5 que j'ai pas fait, 1, 2, 3, 4, et 5, parfait, on se met sur les bras, mountain climber, 20, 10 secondes de stabilisation et 10 sur les côtés. Vache. Non, ça va piquer. Je vais mettre comme ça ce coup-ci, on tape dans le... Main bien sous les épaules. Ok. Eric, t'es prêt? Ouais. Nadège, t'es prêt? Je sais pas. Allez, on y va, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 7, 17, 18, 19, 20, on stabilise 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Et le reste sera le gainage. Allez, 50 secondes. Amenez la flèche, on y est presque. Ok. C'est prêt. Allez, on sert bien le tour. Parti. On se concentre, on ferme les yeux, ça passe plus vite. Ouais, ça dépend, on est quand même bon. Hein. 26. Pensez bien, toujours, toujours on contracte son ventre. On reste contracté, serrer le périnée.
37 secondes. Et on relâche. Allez, sur le côté. On aligne tout ça. Regardez. 3, 2, 1, c'est parti. Je vous donne le temps à la moitié. Hein. Moitié maintenant. Ça tire plus là. Allez, allez. Il ne reste plus que 10 secondes. Voilà, t'as juste à changer de coude, toi. 3, 2, 1, go! Ah, c'est le côté le plus facile pour moi, celui-là. C'est pas trop, mec. Celui que t'arrives à lever le plus haut, que t'es en équilibre facilement. Celui-là, peut-être. Le même que toi, en fait. Souvent, quand on est droitier, c'est à gauche. Et quand on est gaucher, c'est à droite. Souvent, mais il y a toujours des exceptions. Parce que c'est ta jambe d'appui. Allez, on a 35 secondes, tu vois, j'ai oublié de dire 25, comme c'est plus facile. 40. Cinq, quatre, tres, dos, uno, ouais. Allez, il nous reste le dos. Dernier effort, on est bien, pardon, on met bien le front sur les mains. Et c'est parti. Allez, on monte, on monte. Allez, on maintient là-haut. On a 32. On maintient là-haut, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, et on relâche. Wouh! Ah! Allez, buvez un petit coup, et on part sur une petite séance d'étirement. Ça va la dèche? Oh, c'est bien. Ah, allez, on va se mettre ici, on a bien travaillé les... tout ce qui est pompes et triceps avec les dips, ça va tirer un petit peu. Allez, on ramène bien. Changer de côté. On change bien de côté. Ramenez bien le coude vers l'arrière au milieu de la colonne. On relâche. Alors maintenant, glissez une main sur le genou. Ici. Écarte un peu plus tes jambes, Nadège. Là. Voilà, on glisse. Et là, au-dessus. Voilà, ça fait du bien ça.
relâche. Je change de côté, évidemment. Recule un petit peu, enfin moi je prends, voilà, je prends un support en fait. Le but c'est de d'étirer cette partie là. Essaye, regarde ta main comme ma main. Voilà. Étirer tout ça là, toute cette partie, le devant du bras, l'intérieur du bras je veux dire, et l'intérieur du pectoral. Ça va la neige. Relâchez. On change. Je suis comme ça. Là, la main, la paume de main sur le support qu'on a. Essaye de rester droit et on pivote juste là. Relâchez. Allez, on se met les fesses. Je me mets comme ça. Voilà, les fesses sur les talons. On retourne devant. Allez, on essaie de bien étirer la tête au sol et on gagne devant pour le bas du dos. On met un peu une main en diagonale. L'autre qui suit parallèlement et on essaye de mettre la tête au sol en laissant les talons sur les fesses. On change de côté, diagonale, parallèle. Voilà, là tu vas plus s'étirer là. Qu'est-ce que t'en penses? Mmh. C'est une tireuse. C'est toujours bien d'avoir le côté de soi. Relâchez. On essaie, regardez, on ramène, on finit par le bras. On prend, on met la main sur le coude. Et voilà ici. Il faut que ça tire. Là, 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 attends, attends, on a fini. On relâche. Et on change de côté. Donc la main sur le coude. On relâche et on finit. On se grandit. Et on souffle dos droit. On remonte. Et on souffle droit. Une dernière fois. On se grandit au max et on souffle. Soufflez bien. Merci beaucoup. Je vous dis à demain. Merci. Pour la séance de Body Fit. Merci Nadège. Merci. On verra si les triceps et les pecs ont bien travaillé, les abdos. On y va. À demain. Ciao.